Est-ce que cette lumière bleue a provoqué le séisme meurtrier qui a eu lieu au Maroc ? Non, évidemment. Mais c'est la théorie complotiste qui circule à cause de cette image prise par une caméra de surveillance. Sur les réseaux, on peut lire que ces lumières sont la preuve que le séisme a été volontairement provoqué. Certains parlent d'OVNI, d'autres prennent comme responsable le High Frequency Auroral Research Program, un projet scientifique américain né dans les années 90 qui étudie la couche supérieure de l'atmosphère. Ce programme est souvent cité par des théories du complot, l'accusant de déclencher des catastrophes naturelles. Dans les hypothèses plus crédibles pour expliquer ces lumières, on en retrouve deux. La première dit qu'il s'agirait simplement d'arcs électriques qui apparaissent à cause des secousses des lignes haute tension. La seconde parle de lumière sismique. C'est une théorie selon laquelle les failles sismiques provoqueraient une libération de grosses décharges d'électricité qui ferait de la lumière. Ce phénomène n'a pas été prouvé scientifiquement, mais il n'est pas nouveau. Il a été observé pendant plusieurs séismes, en début d'année en Turquie ou au Mexique en 2017.